Bonjour, bienvenue à cette présentation sur le métabolisme énergétique. Nous allons explorer comment la cellule obtient son énergie. Dans un premier temps, il faut se souvenir que l'énergie est contenue dans les liaisons chimiques des molécules et que la principale molécule utilisée par nos cellules est le glucose. Pour obtenir cette énergie, nous devons briser les liaisons chimiques présentes dans le glucose. Pour cela, il faut des enzymes et de l'eau. Les enzymes agissent comme des ciseaux moléculaires. Voici une représentation simplifiée d'une enzyme. Il faut se souvenir que chaque enzyme possède une forme spécifique qui lui permet de réagir avec le substrat qui possède la forme complémentaire. L'enzyme présentée ici est donc spécifique pour le glucose. Le glucose rentre en réaction avec l'enzyme dans son site actif. L'enzyme effectue son travail et coupe le lien chimique. Le bris de la liaison libère de l'énergie et cette énergie est stockée sous forme d'ATP. La molécule ainsi brisée est transformée par une autre enzyme d'une forme différente étant donné qu'il ne s'agit pas de la même molécule. Cette autre enzyme permet de briser une autre liaison chimique et de libérer ainsi de l'énergie. Cette énergie permet d'attacher un phosphate sur de l'ADP et cette combinaison forme l'ATP, la source d'énergie utilisée par les cellules. Les deux molécules obtenues après la dégradation du glucose se nomment pyruvate ou acide pyruvique. Les enzymes sont capables de poursuivre leur travail tant qu'il y a des molécules à couper. Les enzymes accélèrent ainsi la vitesse des réactions chimiques en baissant l'énergie d'activation nécessaire pour que les réactions s'effectuent. Cette première étape qui vient d'être présentée se nomme la glycolyse. Elle a lieu dans le cytoplasme de la cellule et au bilan, le glucose se transforme en deux molécules de pyruvate et en deux molécules d'ATP qui sont formées grâce à l'énergie obtenue lors du bris de la liaison chimique du glucose. La deuxième étape dépend de la présence ou de l'absence d'oxygène. Ainsi, les deux pyruvates obtenus lors de la glycolyse sont transformés sans oxygène, ce que l'on appelle l'anaérobie, en deux acides lactiques par une enzyme spécifique au pyruvate. Cette réaction a lieu dans le cytoplasme cellulaire et cette réaction s'appelle la fermentation lactique. En présence d'oxygène, en aérobie, les deux pyruvates vont être dégradés en CO2 et en eau et une quantité importante d'ATP étant donné le bris d'une multitude de liaisons chimiques au niveau des molécules de pyruvate. Ces réactions ont lieu dans la mitochondrie alors à l'aide de plusieurs enzymes spécifiques. C'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Voici un résumé qui présente les voies métaboliques qui ont lieu dans la cellule pour obtenir l'énergie. Le glucose sanguin entre dans la cellule et il subit des bris de ses liaisons lors de la glycolyse pour obtenir deux acides pyruviques. Et ces deux acides pyruviques peuvent emprunter deux voies différentes, la fermentation lactique en absence d'oxygène ou la respiration cellulaire en présence d'oxygène dans la mitochondrie. Ainsi, on obtient énormément d'ATP dans le processus de la respiration cellulaire, alors que la fermentation lactique est moins productive. La fermentation lactique, au bilan, utilise un glucose pour obtenir deux molécules d'acide lactique et deux ATP, alors que la respiration cellulaire, au bilan, utilise
un glucose et 6 molécules d'oxygène pour obtenir 6 CO2, 6 molécules d'eau et au total 30 à 32 ATP. 28 à 30 produits dans la mitochondrie et les deux qui sont produits au niveau de la glycolyse, comme pour la fermentation lactique.